Je suis évidemment favorable à la mixité sociale, mais cette mixité sociale doit se raisonner quartier par quartier et non pas immeuble par immeuble. Il faut absolument éviter des phénomènes de ghettoisation, comme rajouter par exemple de l'habitat social dans des secteurs de la commune qui sont déjà fort pourvus en habitat social. Je pense par exemple au quartier du SUV. Par négligence et par facilité, depuis des années et des années, on a préempté et on a logé sur la cité historique et dans sa périphérie proche des populations qui aujourd'hui se retrouvent concentrées sur le même territoire au sein de la commune. Il faut limiter, voire stopper aujourd'hui la réhabilitation et la création de logements sociaux dans la cité historique et dans sa périphérie immédiate. Il existe avant 715 logements vacants. Il faut que main dans la main avec leurs propriétaires, nous entamions avec toutes les aides possibles, elles sont nombreuses, la réhabilitation de ces logements, notamment en matière énergétique, puis que ces propriétaires perçoivent un loyer pour loger ces Vensois qui recherchent des logements. Ils auront ainsi un logement rénové en location au lieu d'un logement vide.